Je voulais absolument faire cette vidéo-là pour réussir un rang S sans système. Et en même temps, essayer de capturer Motisme. Pour mon spécial capturabilité en même temps. Et ça va bien donner. Peu importe ce qui arrive, je capture ce Pokémon. À coup sûr. Oh yeah! Ah, c'est pas... Excuse-moi, ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai dit le nom en anglais, je pense. De Papilar. Puissance de 60. Fait puissance croix. Augmente les dégâts des Link en forme de croix. C'est quand même pas pire comme... comme talent, mais c'est mieux puissance croix. Parce qu'il augmente encore plus les dégâts. Tandis que lui, je pense que le maximum qu'il fallait, c'est x4.5. Au maximum, je crois. C'est x12 puissance quoi plus au maximum. Puis j'ai ça avec Caldeo aspect décidé. Qui est au niveau 17. J'ai fait du Poké Circuit aujourd'hui. Puis je suis allé donner 2-3 autres niveaux max à Diancie pour qu'il puisse avoir un petit peu plus d'effet sur le renvoi bloc. Lorsque j'allais 4 Pokémon ou 5. Comme vous avez vu, ça a donné un très bon résultat. J'ai pas utilisé mon Chemin Céleste parce que je n'ai pas encore travaillé son talent de renvoi bloc que je viens tout juste de changer, qui était Force 4 plus avant. Fait que pour moi, je me suis dit que ce serait une bonne idée de XP jusqu'au niveau 15 pour que ça soit potable pour un rang S. Et j'ai réussi du premier coup.